Je vous avais montré le pipi ici ou pas? Je crois que je l'avais montré. Je crois que je l'avais montré dans une VOD. Donc on est bon. Mais j'en suis quand même fier de ce pipi, donc j'aimerais vous le montrer à tous. Attends, c'est bien là hein, qu'on doit aller. C'est le bug pour aller sous la map. Ah! Putain, je crois qu'on l'a eu il y a pas longtemps. On n'est pas allé sous la map un moment? Je ne sais plus. Mais on doit se faire chier sous la map. Mais elle est dure. Ouais, non, mais de toute façon, on va pas le faire. Hein. C'est pas grave. Mais déjà que des fois sur la map, on s'ennuie un peu. Alors sous la map. À part s'il y a des petits secrets, tu vois. Des trucs sympas. Dans ce cas-là, là, ok. Il y a un hélico là ou j'arrive? C'est bon. Alors là, pour ceux qui n'avaient jamais suivi mes streams sur Scarface, nous sommes plus du tout en ville, mais nous sommes sur les îles autour de Miami, plus loin que Miami. Et du coup, ici, il n'y a pas la police, il n'y a rien en fait. On peut tirer sans avoir de soucis, on peut tuer des gens sans avoir des soucis. Il y a juste des gangs qui veulent te tuer. Après, du coup, ça donne une mauvaise ambiance dans l'île. Du coup, c'est pas une île où tu peux boire des cocktails sur la plage, tu vois. Mais c'est comme la radio libre de default, tu vois. C'est zéro limite, c'est radio libre. Et bah c'est exactement pareil. Oh putain. Y a pas de règles, y a pas de loi. Y a pas de pute sous la map. Ah non, je ne pense pas. Par contre chez moi y'en a. Oui. What do you want? I just want to be one of the dog dogs. Ah voilà. Salut. Je me rappelle de cette mission et je crois que j'avais pas trouvé mis à l'époque. Ok, y'a pas de cinématique, ça ne sert à rien de le faire. Calmez-vous. Calmez-vous, direct. La radio libre de Karel. Mais tibu. Tu me déçois, tu sors de mes modos. Abandon d'objectif, mais pas du tout, je suis là! Oh bah, il y a forcément. Meurs! C'est tellement jouissif de tuer des gens sans se dire qu'on va être arrêté par la police. Ok, mes explosifs ils font rien. J'ai rien dit! Pardon! Par contre, vous pouvez venir, moi j'ai pas le droit d'aller après la porte. Ça prend ça dans la gueule, toi. Bon, attendez, on va récupérer de la vie un peu. Il va exploser ce truc de merde! Mais c'est hyper long! Bon, il a disparu, comme ça. C'est réglé. Ou alors c'est lui qui a explosé là, peut-être, je ne sais pas. Tu te souviens de la libre antenne de Karel? Ouais, mais moi j'aimais pas. Moi j'étais sur default, tu vois. Oh, ils sont en haut! Oh, il faut une voiture! Eh, hey, je peux aller arrêter la cinématique? Vite! Viens! Oh, il a mis un bonnet lui. Oh yes, vous avez des super voitures. Montez! Tic et tac! Ah, on peut en prendre qu'un. Bah tant pis pour toi. On arrive! Ah. Parlez au marchand de sable. Pas de soucis. Il fait quoi lui là-bas? Oups. On lui a fermé sa gueule à lui. Bonsoir. Abandonne l'objectif. Ferme ta gueule. Il veut quoi? Ok, y a pas des munitions à l'intérieur? Attends, attends, deux secondes papy. Maintenant, il y a des AK, mais putain, on s'en bat les couilles des AK. Il y a de la vie. Oh merde, merde, merde. Oh bah, carrément.
Ok, je peux tirer dans le marchand de sable, je sens que je vais le buter. Non mais on s'en bat les couilles de l'hélico. Mais vise ces putains de mecs sur le toit. Ok, je suis mort. Alors, j'aimerais qu'on en parle. Je pense qu'il faut débriefer vite fait tout ça. Je suis... Oh non, reprends-toi, zéro. Vous pouvez fuir le stream si vous voulez. Je vous autorise à fuir le stream. Y a pas de souci. Ça me pose pas de problème. Vraiment. Oh, il a un bazooka, lui. Mais c'est sale de me faire recommencer de là, quoi. Et les checkpoints, ça existe, hein. Je m'en fous, hein, j'ai fini Sonic du premier coup, hein. Sans checkpoint. Alors, je peux le faire, hein. Ah, ma vie déjà, quoi. Bah, faut que je les laisse avancer, sinon ils viendront jamais, et ça va être hyper long. Cache-toi. Oh, mais regarde-moi ces cons, ils savent pas conduire, regarde. Mais non, mais attends. Faut en profiter pour lancer des grenades. Voilà, parfait. Par contre, ne pas rester à côté des voitures. Oh, ils ont tué un homme de main. Salaud! Ok, je n'ai plus de vie. Ils ont tué Tic. Ils ont tué Tic. Merde! Fais chier! Je l'ai pas réussi du premier coup, ça, tout à l'heure? Ça a l'air plus dur, hein. Comme ça, on dirait pas, mais le jeu est pas simple. Vraiment. C'est, je vous jure. C'est pas hyper simple. Passez-moi cette capitaine. Il y avait de la vie ici ou pas? Il n'y a pas de vie. Tu peux me donner ça? Salut, Tom. Au revoir. C'est pas facile de viser avec ça. Mais au moins contre des voitures, putain, ça fait le café. Il faisait quoi le bot? Je suis en train de jouer. On a compris, Black, hein. T'es très gentil, mais on a compris. C'est bien. Moi, je joue juste au PS2. Enchanté. On peut faire une team ou pas? Et vous avez pu vous barricader. Vous avez pu... Vous êtes mort, mais... Allez à la plantation. Allons-y. Hey, puto! Excuse-moi, j'ai pas fait exprès. Oula, calme-toi. On arrive. Je sais pas pourquoi je fais ça. C'est
c'est à chaque fois j'ai l'impression qu'il est derrière la barricade et du coup pas dans devant. Bonjour Sauron. Excuse-moi, je veux cette arme. Non Black, t'inquiète, ça ira. Je m'en sors très bien. Regarde. Regarde mon skill. Tu vois bien que j'ai pas besoin des astuces. Je suis très bien comme ça. T'en as pas marre de cette musique, Chris? Si, mais elle est pas trop copyrightée. J'en ai une autre, mais elle est hyper copyrightée, ça fait chier. Ok, il m'a foutu avant lui. Bon, attendez, je vais descendre parce que j'ai l'impression qu'ils veulent se la mettre. Enfin, elle est copyrightée cette musique aussi, mais moins. Et ben voilà, Tibu, je pense que tu mérites le ban. On y est. C'est bon. Bon, on va y arriver ou pas? On va y arriver. Regardez la musique d'ambiance et tout. C'est parti. Mon tic. Attention, j'arrive. Bonsoir. Allez hop, Vogel. C'est quand que tu pourrais faire un espèce en Need for Speed? Bah jamais. Parce que Need for Speed, c'est bien des jeux qui me saoulent de ouf. Mais genre vraiment, ça me plaît pas trop. Je compte faire un let's play sur Zelda sinon. T'es content? C'est pareil, non? C'est à peu près pareil, il y a un truc près. Allez hop, ça dégage. J'ai plus le temps. Ah non, mais j'ai plus le time. Putain, faites gaffe, ça va nous exploser dans la gueule. Ils sont encore dans la voiture en feu. Attention, le marchand de sable quand même. Ma voiture. Cours. Oh, il a un beau chapeau, lui. Eh mais ils dansent la valse. Le marchand de sable. Non. J'ai tiré dessus. Excuse-moi. Casse-toi. Hey, toi, tu fais quoi? On a eu chaud. Une voiture blindée. Mais non! C'est pas possible! Mais j'étais en feu!
Fais chier. Regarde d'où on reprend à chaque fois, quoi. C'est vraiment nul comme jeu. Achetez pas. C'est une mission hyper simple. Tu dois défendre un putain de con et on meurt. On meurt comme... On meurt pas, il meurt. Voilà, c'est pas ma faute. C'est la faute du bot. Il est nul. Il s'est pas tiré. Oh, le con, hein. Non mais là c'est la bonne. Là c'est la bonne, regarde. Vous vous rappelez tout à l'heure quand j'ai dit que c'était la bonne? Ça a été la bonne. Non, regarde. Vous êtes prêts? Attention, ça arrive. Un homme de main est mort. Mais à quel moment? Comment il arrive à crever, quoi? Comment ils sont morts? Oh putain, c'est horrible. Ça, dans les VOD, je pense que je vais le couper, ça devient long. Alors vous tapez tout, mais... sur YouTube, ça sort pas comme ça. Vous êtes juste, vous avez pas de chance. Et sur Call of Duty, toujours pas. Mais bientôt, Black, hein, tu vas trouver un jeu que je vais faire un jour. C'est sûr. C'est sûr et certain. Mais Call of Duty, toujours pas. C'est la bonne. Non mais attends, c'est les bots encore. Là, les bots, j'ai pas compris comment ils sont morts. Y'a personne qui passait, je tuais tout le monde. À quel moment ils ont pu mourir, quoi? Tu vois, regarde, y'en a qui ils perdent la vie. Comment c'est possible? Ils passent pas. C'est sur moi qui tire. Je comprends pas. Je pense que le jeu est mal fait. Oh putain. Ah, j'ai tué le conducteur, c'est bon. On est sauvé. Crève. Il y en avait un autre derrière. Ah, oh, il m'a écrasé, enculé. Boum. Allez hop. Eh, je gère ou pas là? Voilà. Salut Alana. Assassin's Creed 2 pour quand? Dès que j'ai mon ventilo pour mon processeur, on commencera Assassin's Creed 2 très rapidement. Bientôt. Tu peux pas prendre le bazooka contre les hélicos? Si, mais les hélicos, faut pas les exploser en fait. Tu peux faire une map Minecraft. Non mais alors ça, on rigole, mais un jour ça va arriver, donc je le sais. Tu vois, un jour je sais que je vais lancer Minecraft et on va faire des streams dessus. Mais c'est sûr, je le sais, je le sens. Quand, je sais pas, mais ça va arriver. Et ce jour-là, on pourra plus faire de blagues, tu vois. Je l'aurais fait. Bonjour. Oh, tout à l'heure, je suis sûr que c'est moi qui ai tué le marchand de sable à travers les vitres. Excuse-moi, il n'y a pas des munitions ici? Je suis sûr qu'il y en a en haut, en fait. Ok, non, il n'y en a pas en haut. I'm sorry man. Ah mais j'ai le lance-grenade par contre. Contre les voitures c'est... Si je meurs. Non mais ne vise pas, c'est les coups. Attendez, c'est pas la putain de vie du marchand de sable là que je viens de voir. Non, n'active pas ta rage. Je sens que le marchand de sable n'a plus de vie déjà. Mais s'il a plus de vie, je comprends pas à quel moment. Va chercher de la vie dans la cabane. Fais-toi plaisir.
T'aimes Scarface ou pas? Oui! C'est quoi ces questions? Ah, c'est pas une FAQ, hein? Ok, go. Tue-le! Putain d'hélico de merde. Ok, super. On la garde. Elle est bonne. T'es sûr derrière toi, Rastaman, là? Eh, j'ai plus de munitions. Faut que j'aille en chercher, mais c'est chaud. Je peux pas laisser l'autre connard tout seul. Oh, c'est là. Allez, allez, recharge! Tue-le! Oh putain de merde! J'écoute en boucle Jules, il m'appelle l'OVNI. Mais là, en fond, please. Non! T'avais dit que t'aimais pas. Scarface! Attends. Mec, j'ai même le DVD! C'est mon film préféré! À quel moment j'ai dit que j'aimais pas Scarface? C'est très bien Scarface. Mangez-en! Ne partez pas sur un débat sur Jules, s'il vous plaît. Ne faites pas ça. Ça va sinon? Tu saignes ou pas un peu? T'as mal? Tony, the Colombians have hit back hard. I told you, man, they're on fucking top for a reason. I know how strong they are, Tony. We started this war, we're gonna finish it. They found my processing lab, shut it down, and are holding many of our workers hostage. We need to move in and clean this shit up. Fuck. We need deep in this shit now. Ouais, calme-toi. On va déjà souffler un peu. Ça fait une demi-heure qu'on est sur cette putain de mission, je pense qu'on peut souffler, tu vois. Il y a Scarface dans PD2 en DLC. C'est vrai? Parce que moi j'ai PD2, on sait pas, un jour, T-Dog veut qu'on fasse PD2, donc je me dis que pourquoi pas prendre ce petit DLC qui peut être sympa. Sauvegardons. Parce que là c'était... je vais prendre un coup parce que c'était chaud. Mais il n'y a pas de modo. De toute façon, 2017 est une nouvelle année, et je vais voir si les modos suivent le rythme, tu vois. S'ils sont là pendant les streams et tout, et s'ils sont pas là, ils seront virés. Donc, y a pas de souci. On doit aller là où je pense. Ouais, ouais, c'était bien ça. C'est bien là. Ok, eh bien allons-y. T'as réussi. Bah oui. Enfin. Quand même. Il me suit le tout ou pas? Vas-y, PD2. Non, mais on va pas jouer à PD2. Je l'ai, mais j'y ai jamais joué. Hein. Je l'ai pour jouer avec T-Duck, hein, sinon je l'aurais jamais acheté. Quel bateau on prend? On prend celui-là. Tu peux faire une mission dans sa maison à la Scarface. Ah! C'est good ça. Mais il faudrait le faire. T'imagines le titre de vidéo que je peux mettre? Genre braquage chez Tony Montana ou un truc comme ça. Ah, parfait, ça va faire des vues ça. Je vais mettre un point, mais je crois que ça sert à rien les points. Enfin, je sais plus si on les voit. Ok, c'est pas ça que je voulais faire. Ah, mais attends. Ah, c'est là-bas, ok. Ok, c'est pas ça pour déraper. Hein. Okay. Faut une mode T-Duck, il est pas venu. Ah, mais T-Duck, il est pas chez lui là. Il est pas chez lui, donc il pourra pas venir, je le savais. Par contre, l'autre modo, je sais pas ce qu'il fait, mais il est pas là non plus. Hein. Voilà. Je vais laisser une ou deux semaines, tu vois. Et après, la purge se fera. Tu vois, le nettoyage se prend. Donc là, on est bien. C'est les moments sympas du jeu où on est sur l'eau et il se passe rien. C'est très sympa. Moi, j'adore. Après, on aime, on aime pas, tu vois. C'est chacun ses goûts, mais... Oula. Oula, ouf. Mais c'est quand même les moments... C'est les moments où tu peux te détendre, tu vois. C'est les moments où tu peux te détendre... Tu peux mettre du She's on Fire si tu veux. Bon, je vais pas le faire, mais... Voilà, tu peux te détendre tranquillement.
Bon, après, tu te fais chier. Ça, c'est un problème encore plus en stream, du coup. C'est qui l'autre modo déjà? C'est Mister Bueno. T-Duck revient, on t'aime. Ah, mais la prochaine vidéo, c'est avec T-Duck. Ah, tout ça commence. La prochaine vidéo, c'est avec T-Duck. La semaine prochaine, normalement. Si je... Normalement, je fais le montage demain, mais bon. Ça va. Ah, le montage, ça fait une semaine que je dis ça. Allez, à la cage d'armes. Allons-y. Coucou. On va descendre. Ah mais on a plus de munitions ou pas? Attendez! Attendez, je recharge. Hop, c'est bon. Ah attends, je peux prendre le bazooka au lieu du lance-grenade là. Merde, attends. Mais normalement on peut pas avoir 4 places. Je sais plus. Je crois qu'on peut avoir 4 armes. Je suis pas fou. Je pense que j'ai raté un truc au niveau des améliorations. On va pas prendre de lance-missile, hein. Moi je stream, je ne moderai pas mes modos à moins qu'ils fassent une grosse connerie parce que être modo, chez moi, il faut répondre à certains critères. Non mais le truc c'est que moi les modos... Bon, je vais mourir. Je vais mourir dans l'eau. Pourquoi t'as pas lu ma blague? Kinder Bueno, ah oui d'accord. Les modos pour moi, tu sais, sur Twitch, être modo, pour certains, c'est fou, tu vois, c'est le truc de ouf. Et justement, montrer aux gens qui deviennent modo, qui peuvent être unmod, comme ils ont été modo en 2 secondes, et bah ça leur explique que être modo t'as pas de puissance forcément et que tu peux perdre ta place à tout moment si t'as le melon, comme les youtubeurs. Et du coup, voilà, tu peux unmod, je unmod les gens qui sont... Ça sert à rien d'avoir des modos qui sont jamais là, tu vois. Parce que du coup, un jour ils vont venir et ça sert à rien, tu vois. Ils vont être modo alors qu'ils ont pas la légitimité d'être modo. Au-dessus encore. Ah oui, d'accord, putain, la blague de PD. Si, je l'avais lu, mais en fait, j'avais même pas calculé. Ah oui, être modo, c'est la confusion. Mais on est d'accord. Écoute. Ah, mais attends, c'est pas par là. Comment on dérape? Bah, c'est rond, mais ça dérape pas trop. Attends, je vais me poser là. Attendez, excusez-moi, laissez-moi monter. Attendez, j'ai plus mes balles, je suis sûr. Oh, mais je vais remourir avec ces conneries. Ouais, c'est ça. J'étais sûr que j'avais plus mes balles. Hop, on est bon. On peut commencer la guerre. Arrêtez de parler en une langue chelou, là. Je peux pas monter. Okay, on est bien, je peux pas monter. Bonsoir. Ok, cette mission, on la one shot. Vous êtes prêts? Retenez bien mes paroles. One shot. Mais toi avec ta mitrailleuse. Oh, je déteste les explosifs qui font pas exploser là. Voilà, mourir. Arrêtez de gueuler. Des explosifs. Oh, on est chaud. Oh putain de merde. On a grave chaud. Et je suis là hein. Ah mais il y a un bateau là. Ok. Problème avec le coup de GTA 5 je crois. Ah bon? Pourquoi? Déraper avec un bateau c'est possible. Pourrais-tu faire une compilation du fail sur Scarface? Alors déjà... Mais attends, mais comment je vais là-bas? Ils sont hyper... déjà... Ils sont fous. Non mais on va remourir. Oh c'est de la merde. C'est la grosse merde. C'est la grosse merde ce jeu. Compilation de fail? Mais non, je vais pas faire ça. On n'a pas eu tant que ça de fail. Tu vois? Mais par contre, il y aura un zap. Ça c'est sûr. Bon vas-y, c'est... Oh. Eh, ça me saoule. C'est simple et tout, mais c'est nul à chier. On va faire nos armes ici, comme ça. One shot, voilà, j'étais sûr que quelqu'un allait dire ça.
Écoutez. Arrêtez. J'ai pas d'argument. Et alors? Non mais... Vous avez bien vu que comme moi c'était problématique. Moi je vais aller directement... Tout à l'heure on est allé à la droite, tu vois. Je pense qu'il faut aller à gauche. Je pense qu'il faut voter à gauche, tu vois. Voter à gauche. Regardez. On se sent pas mieux là, à gauche. Alors on va déjà détruire ces merdes là. Ok, le jeu est à 10 FPS, on est pas bien. Two shot, oui c'est ça. Allez, on l'a two shot. Ouais, bonjour. Oh putain de merde. C'est toi qui parles? Oh. Ok, on va essayer d'esquiver les mecs là-bas. Et aller faire notre petite vie tranquille. Oh, cette ambiance! Vous entendez les petits oiseaux ou pas? C'est des grenouilles. C'est pas des oiseaux, c'est des grenouilles et des crapauds. Attention. L'ambiance. Nous sommes dans la jungle. Et nous partons à la recherche du trésor perdu. Du capitaine Zapoupoulos. Il y a des pirates sur l'île. On n'est pas bien. On n'est pas bien du tout. Mais grâce à notre courage et notre force, tout va bien se passer. D'après des légendes, il y aurait des sauvages sur l'île. Bon, ça... Bon. Je viens de... Bon, je vais peut-être croiser un sauvage il y a 2 secondes. Attention. Ça va décapiter. Hop! Je décapite! Oh! Ben voilà! Alors on va déjà détruire tous ces trucs de merde là. Pourquoi ils sont en semi-transparence? Là-haut. Fuck you, man! Oh, plutôt, tout de suite. T'as été viré du crew? Sérieux? Merde! Qu'est-ce qui se passe? GTA, c'est vraiment de la merde. Sa vie d'air pur et d'eau fraîche. Mais oui. Mais tu me donnes un coup de poing! Mais ça va pas! Mais t'es qui? T'as combien d'abonnés sur YouTube? Pour me donner un coup de poing. On continue notre petite aventure. Il faut marcher à présent dans ce petit pont presque détruit par l'eau. On se retrouve actuellement dans les marais. J'ai cherché une blague avec les marais, mais j'ai pas trop compris. Oh, regardez, une petite cabane abandonnée. Coquillages et crustacés. Hop, de la vie. Oh, on va pouvoir prendre des munitions. On va pas prendre la AK. Je suis sûr que la AK c'est plus puissant, tu vois, mais GTA c'est pas de la merde, c'est la vie. Oui, bah écoute, moi j'ai beaucoup trop vécu avec alors. Tu vois, je pense qu'il est l'heure qu'on divorce. Oh, on me tire dessus. Regardez, un sauvage. Oh, ce pont quoi, c'est l'aventure, vraiment. Il faut qu'on passe dessus avant qu'il se détruise. Il y a des putains de tonneaux derrière moi, je suis pas bien. Oh, il y a l'air d'avoir plus de monde là, je suis pas bien. Là je suis pas bien. Donc la morale, à vous. Oh, il cultivait du sucre. Mais c'était juste des boulangers en fait. Oula. C'était beau ça. Vite. Ah mais merde.
On a oublié un otage. Attends. C'est des otages, ça? Oh merde. Vite, sors. Merde. Vite, attendez. Prenons ça. Vite, 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 vite. Il faut aller sauver l'otage qu'on a oublié. J'arrive. Vite, 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 vite. Ah mais c'est pas... Arrête de bouger. Arrête de bouger. Voilà. C'est ce putain d'homme de main. C'est bien foutu de ma gueule, c'était pas du tout un otage. On a eu peur pour rien. T'es level combien sur GTA? Je sais plus, 153, un truc comme ça je crois. Et combien j'ai d'argent? Je suis pauvre, voilà, j'ai plus d'argent. Parce que GTA c'est de la merde. Fouillez ce coin pour trouver des paquets de drogue. Ah, d'accord. Ok. Moi j'adore la drogue. Oh, un petit bateau. Comme les vêtements. Ah mais là-haut. Mais putain, j'avais pas vu qu'il y avait un escalier. Oh, il y a de la vie. Alors que j'en avais pas besoin. Aller au camp indiqué, récupérer les paquets de drogue. C'est parti. On va prendre le petit bateau. Ça me rappelle une mission de... Oh, d'Uncharted 1. Quand ils prennent... les jet skis. Et qu'ils montent en haut de la montagne. Après avoir récupéré tous les morceaux de drogue, je décide à me... de prendre le bateau. Pour aller... dans le camp un peu plus haut sur l'île, là où était détenu certainement un otage et beaucoup de sucre. Coucou, c'est moi. Attendez, j'ai mon doigt dans mon fil. Ah, c'est bon, ça va mieux. Ok, il y a un peu de monde ici, c'est parti. Récupérons un peu de vie. Pardon, je rentre. Coucou. Et vous faisiez quoi là tous les quatre? Bande de lâches. Salut. Tu t'appelles comment? Alors, il manque un paquet de drogue qui est certainement... Oh merde, comment j'ai pu le louper? Ah mais il est là. J'ai mon doigt dans mon théophile. Non, dans mes fils. J'avais mon... Bon bref, on s'en fout. Hop, drogue embarquée. On peut y aller. Fuyez en haute mer. Oh mais t'as vu le bateau que vous m'avez donné, bande d'enculé. Et je décide de m'enfuir très rapidement. Moi j'aime bien continuer les récits. Attends, c'est pas par là. Hop là. Alors là, ça va être chaud. Il faut pas mourir. Donc là lui il marche. Il marchait dans l'eau. Dans l'air. Partout. Il marchait partout. Oh, attention, ce pont, s'il pouvait se détruire, ça serait trop bien. Oh. Attendez, excusez-moi, je passe. Merci. Oh, high kick. On m'a high kické. Attention, j'arrive. Wouhou. Allez au dock sur la plantation du marchand de sable. C'est parti. Alors il faut esquiver les pirates sur l'eau par contre, parce qu'on va être pas bien. Alors est-ce que c'est scripté et on va se faire attaquer? Ce qui m'étonnerait pas, hein. C'est un classique, j'ai envie de dire. De se faire attaquer pendant qu'on ramène ce qu'on a récupéré. Mais Scarface est un bon jeu et en plus de ça, casse un peu les classiques. Donc peut-être qu'on va pas se faire poursuivre.
Si j'esquive bien Si j'esquive bien en ce moment. Pourquoi j'ai dit en ce moment? C'est pas ça que je voulais dire. La fatigue, ça y est, elle arrive. Attention, petit saut. Mais surtout ne pas bloquer le bateau, hein. Ça c'est ma priorité quand même. Donc là pareil, c'est la même chose que tout à l'heure quand on allait à l'aller. Oh mais on se fait. C'est pas flingue du tout. Le problème c'est que je vais pas voir s'il y a des montagnes devant moi. Normalement je me touche. Il a l'air de s'en battre des couilles. Ah ça y est. Ah ouais, viens à côté de moi, c'est plus simple. Attention le mur! Oh, il a esquivé, enculé! Hop là! Je vous avais dit que j'étais bon en fait? Non, je sais plus si je l'ai dit. Non, parce que je suis super bon. En vrai, je touche bien ma bille sur ce jeu, tu vois. Ciao l'arcane. Salut, j'ai réussi la mission. T'es fier de moi? C'était pas simple. Eh, cette mission elle était bien. On est d'accord ou pas? On est tous d'accord pour le dire ou pas? Moi je la trouvais vachement bien cette mission. C'était bien. Ton ego il gonfle. Mais non, pas du tout. C'est pas parce que je dis que je suis bon que voilà le mec. Non, c'est en fait. Allons là-haut. Allons voir. Nounours. Pour voir ce qu'il a à nous dire. Est-ce qu'on va enfin pouvoir attaquer Sosa et lui dire salut, c'est moi. La petite mission, la petite cinématique qu'on aime bien. Tony, it's good to see you. How are you? Could use a fucking vacation, man. But as long as that fuck Sosa lives, I can never rest. I know that. I want this for you, Tony. I do. You have done a lot for me, and now it's about time that I help you. What you got in mind, man? I want to sell my plantation to you, Tony. You can own the biggest source of product this side of Colombia. You got the support system in place and you own Miami. This would ensure that you have a constant, secure supply. It will complete your empire and allow you to focus on what's really important. Sosa. This is good, man. Real good. It's been a pleasure doing business with you, okay? Good luck, Tony. On a gagné.